au fond, en ce moment, vous avez le sentiment qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre. Voilà. Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous ne nous connaissez. C'est-à-dire, ben, vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français. Comment voulez-vous assimiler des gens vraiment à égalité quand on les appelle des beurs? Du reste, quand on les appelle beurs, je n'oublie pas non plus que j'ai été appelé dicos à l'arabe pendant des années. Il y avait à Kalatunguna, d'après ce rapport des Nations Unies, un centre de détention secret. Oh mon Dieu, Kalatunguna, c'est la capitale de Russie. Ils connaissent mal la géographie du Maroc. Il peut y avoir des centres de détention dans des lieux qui sont prévus. Non, c'est pas possible. Les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre. Le seul délit politique, c'est lorsqu'on prétend que le Sahara n'est pas marocain. Que les non-marocains puissent le prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, ceci m'est complètement égal. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. On a parlé du complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi ? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre ? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous sommes tous contradictoires les uns avec les autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Oui. Je passe mon temps à lui dire une chose, parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohamed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal, le style, c'est l'homme.